Bonjour, mesdames et messieurs, l'événement débutera dans quelques instants. Merci beaucoup de votre patience. Et également sur les réseaux sociaux, car on est en direct sur LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook. Donc, bonjour à tous. Ah, désolée pour le bruit de vaisselle. si on peut vous recevoir ici aujourd'hui, c'est grâce à notre partenaire principal, Hydro-Québec, qui nous permet de faire des événements comme aujourd'hui. Alors, je vous sollicite d'aller voir notre site web, lamdd.org, et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir notre programmation. On a tout plein de beaux événements à venir.
Et puis, d'ailleurs, mercredi qui s'en vient, on a la Foire de l'emploi en développement durable. Ça vous tente de venir faire un petit tour mercredi après-midi, des conférences, formations pour les personnes en recherche d'emploi. Et le pendant, c'est le matin, on a des formations pour les gens qui sont en charge du recrutement. Donc, si ça vous parle, si vous voulez avoir un kiosque pour rencontrer les 225 personnes inscrites qui sont en recherche d'emploi, qui vont venir, ça se passe mercredi. Mon petit pitch d'événement. Donc, écoutez, sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle Jeannette, qui va être animatrice pour aujourd'hui. Donc, bon événement. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce panel sur les semences locales, qui est de la thématique des systèmes alimentaires viables. Et comme elle a dit, on vous remercie beaucoup, la Maison du développement durable, de nous accueillir ici. Et donc, c'est organisé par SUCO, un organisme de solidarité internationale, mais en collaboration aussi avec l'ONG burkinabé Action pour la promotion des initiatives locales, et avec l'organisation Sème l'avenir. Comme elle l'a dit, je m'appelle Isabelle Jeannette, puis je suis votre animatrice aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas déjà SUCO, c'est un organisme de coopération internationale qui a été établi à Montréal depuis 1961. Et elle rassemble des gens, des savoirs, des ressources pour renforcer l'autonomie des personnes, des organisations et des collectivités. Et SUCO soutient les collectivités dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales en bâtissant avec elles des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience climatique. Et dans l'ensemble de ces activités, SUCO s'assure toujours que la réalité des femmes est prise en compte, donc que leur voix est entendue et qu'elles participent pleinement aux décisions. Et depuis maintenant 3 ans, SUCO organise des panels et ils sont tous super intéressants et vraiment sont sur les sujets des axes principaux de SUCO, dont les systèmes alimentaires viables, le droit et la participation des femmes et la résilience au changement climatique. Et en plus de mettre la lumière le travail extraordinaire des partenaires du Sud, dont notre partenaire qui est ici aujourd'hui, APIL, que vous allez découvrir aussi un peu plus tard, les panels de SUCO, ils sont l'opportunité de vraiment renforcer les ponts qui existent entre le Québec, le Canada et l'international. Et le panel d'aujourd'hui, comme il a été mentionné, est offert en partenariat avec Sème l'avenir, Sème l'avenir est engagé depuis 1945 pour créer un monde équitable en aidant les agricultrices, les agriculteurs à cultiver des aliments de façon durable en commençant avec des bonnes semences. Donc, on est heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Vous pouvez voir les gens présents ici, mais on a aussi des gens qui nous suivent en ligne. Donc, c'est vraiment plaisant de tous vous voir dans cette journée pour souligner la Journée mondiale de l'alimentation. Et de plus, on va le faire encore une fois, remercier nos bailleurs de fonds, qui est le gouvernement du Canada, avec Affaires mondiales Canada et Hydro-Québec. Aussi, c'est important pour nous de reconnaître et commencer notre rencontre en reconnaissant que nous sommes ici situés à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Et celles-ci sont les gardiens et les gardiennes des eaux et les terres sur lesquelles on se situe aujourd'hui. Et Montréal est en effet un lieu historique, un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, mais aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident ici. Donc, c'est dans le respect avec les liens du passé, du présent et du futur de l'avenir qu'on reconnaît les relations continues et qui continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et la communauté montréalaise. Et au-delà de cette reconnaissance territoriale, on est convaincu que c'est essentiel qu'on puisse bâtir des systèmes alimentaires viables et de nous assurer d'écouter toutes les voix. Donc, écouter celle des communautés autochtones, des communautés du Sud, des jeunes et des femmes. Et c'est dans cette optique-là que nous avons choisi les personnes qui sont présentes aujourd'hui.
Donc, en ce 16 octobre, qui souligne la Journée mondiale de l'alimentation, nous avons la chance d'être entourés d'expertes et d'experts variés qui ont des connaissances vraiment précises sur le sujet et qui vont nous aider à mieux naviguer et comprendre le sujet d'aujourd'hui et le rôle essentiel que jouent les semences dans nos systèmes alimentaires. Est-ce que vous saviez qu'il existe seulement au Pérou plus de 3000 semences de pommes de terre? Alors que 10 entreprises semencières agrochimiques contrôlent aujourd'hui 73 % du marché des semences commerciales. Donc, la question des semences locales est vraiment importante et c'est une réponse essentielle face au déclin de la biodiversité et nous offre une solution de choix pour la résilience au changement climatique. Mais alors, donc, vous vous demandez sûrement quel rôle jouent ces semences locales et qu'est-ce qui les distingue des autres semences et comment elles interfèrent avec les changements climatiques. Donc, ce sont tous des très bonnes questions qu'on va discuter aujourd'hui. Et pour tenter d'y mieux y répondre, nous proposons d'échanger dans deux contextes différents. Donc, la situation des semences au Burkina Faso, grâce à la participation de M. Abdoulaye Ouédraogo. Merci d'être là avec nous. Il est coordonnateur général de l'ONG APIL. Et l'autre contexte sera la situation des semences au Québec, grâce à la participation de M. Hugo Martorell, qui est avec nous, coordonnateur du programme régional Sème l'avenir. Et pour aller de l'avant, nous allons dresser un portrait global des deux situations, d'abord au Burkina Faso et ensuite au Québec. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à Geneviève Talbot, chargée de programme Afrique, experte en système alimentaire viable pour SUCO. J'aimerais lui demander quels sont les lieux communs et les différences entre ces deux contextes, avant d'explorer ensemble les pistes de solutions vers la fin. Pour vous présenter Geneviève, pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, elle a assumé des fonctions comme chargée de programme Pôle Afrique à SUCO et elle a travaillé de nombreuses années dans le milieu des ONG, du développement et de la gestion de projets et de programmes. De même qu'à la recherche et au plaidoyer sur les changements climatiques et les systèmes alimentaires. Elle a vécu et travaillé en Équateur et aux Philippines. Et elle est forte de plusieurs années de pratique comme chargée de programme à l'international pour diverses organisations. Et elle possède une vaste expérience en gestion de développement de programmes en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Et Geneviève collabore régulièrement à diverses publications portant sur divers enjeux internationaux, mais surtout sur les changements climatiques et les systèmes alimentaires. Alors Geneviève, vous qui travaillez à SUCO, pourquoi avoir choisi de mettre l'accent cette année sur les semences? Merci. Excellente question. Bonjour tout le monde. Une des raisons principales, peut-être avant de commencer, pour aller plus précisément sur le thème des semences, pourquoi on a choisi la Journée internationale du droit à l'alimentation, on veut quand même souligner que dans son discours, M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a souligné qu'il y a encore 780 millions de personnes qui souffrent de la faim en ce moment dans le monde. Ce chiffre-là est en croissance pour diverses raisons. Mais on peut estimer qu'environ à peu près là, une personne meurt de faim chaque seconde. C'est un enjeu qui est vraiment, vraiment important. Comme le soulignait M. Guterres, les causes profondes de cette situation-là, de la faim dans le monde, bien, sont nombreuses, mais entre autres, on peut penser bien sûr aux conflits. Bon, mais on en connaît plein, ça se multiplie malheureusement. Aux extrêmes climatiques, aux inégalités, mais aussi aux instabilités économiques et à l'inéquité en termes de partage des ressources, partage, accès à l'alimentation et, entre autres, accès aux semences. Dans son message d'ouverture, M. Guterres soulignait qu'une des façons de s'attaquer à ces causes sous-jacentes-là, c'est de parler du système alimentaire viable ou durable.
c'est dans un des axes de travail de SUCO, cette vision-là de système alimentaire viable qu'on peut, qu'on veut mettre en place. Puis, de cette façon-là, on peut envisager les systèmes alimentaires de différentes façons, mais nous, on aime bien le voir d'une façon cyclique, où on part de la production agricole jusqu'à la gestion des matières résiduelles, disons, tout l'ensemble. Donc, ce qui inclut les semences. Donc, on a voulu parler de la question de l'accès à la nourriture par la porte d'entrée des semences, qui est l'intrant numéro un quand vient le temps de parler de production agricole. C'est un peu pour ça qu'on se dirigeait vers cette C'était cette vraiment façon. Comme une introduction. Merci beaucoup d'avoir établi le sujet. Et est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on aille vers les autres panélistes? Donc, voilà. Alors, on se tourne maintenant vers M. Abdoulaye Ouédriago. Il travaille depuis 25 ans dans le domaine du développement économique local. Il dirige aujourd'hui l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales. C'est une ONG de droit burkinabé qui accompagne les initiatives locales de 360 sociétés coopératives agricoles à l'intérieur de 660 villages du Burkina Faso dans le domaine d'agroécologie, agroforesterie, marécage, transformation des produits agricoles et bien plus. Il est membre actif de plusieurs réseaux associatifs et institutionnels. Donc, M. Abdoulaye, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dresser un portrait des semences au Burkina Faso? OK. Merci bien, Isabelle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il faut dire que je me permets déjà de vous remercier d'être là cet après-midi. Et également aussi féliciter l'ensemble des organisateurs qui nous permettent d'avoir cette plateforme-là pour parler d'un élément essentiel qui est la semence. À travers la présentation d'Isabelle, vous avez compris que je suis à la tête d'une organisation qui travaille avec des agriculteurs. C'est 72 000 familles qui sont dans 660 villages et dans 360 coopératives. Et leur travail, c'est vraiment l'agriculture et la terre. Donc, ça signifie que la semence est très capitale pour ces personnes-là, sans lesquelles elles ne peuvent pas survivre. Alors, donc, l'ONG travaille évidemment dans 5 régions du Burkina. Et c'est notre choix également d'aller dans les endroits où, effectivement, la sécurité alimentaire est très menacée et que, effectivement, les terres sont très arides et les questions alimentaires, effectivement, se posent. Alors, avant de revenir sur la question d'Isabelle, permettez-moi quand même de vous revenir un peu sur le Burkina Faso. Je suis sûr que tous ne connaissent pas trop bien où est-ce que nous sommes situés, mais c'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors, au nord, nous avons le Mali qui nous encadre, et au sud, on a la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. À l'est, on a le Niger. Et le pays, même s'étant, c'est déjà 74 200 km², et c'est 21 millions d'habitants au Burkina Faso, avec 52% de femmes. Il faut dire que 80% des Burkinabés sont des agriculteurs. Donc, comprenez bien que nous sommes dans un pays où, effectivement, quand on va parler de semences, effectivement, nous sommes très bien concernés. Alors, cependant, le Burkina Faso a aujourd'hui 4 gros défis à relever. Le premier, c'est surtout les défis sécuritaires. Pour ceux qui suivent la situation actuellement au Sahel, il y a effectivement des leaders terroristes qui occupent une partie du territoire, notamment vers le Sahel, et qui compromettent en fait la production. Il faut dire que là, effectivement, ils arrivent, ils intiment des gens, effectivement, ils quittent effectivement pour venir en fait dans la ville secondaire. Donc, quand effectivement un pays est en insécurité, comprenez que les maximums des budgets nationaux sont effectivement affectés à ce problème-là. Donc, ça ne peut qu'empêter également aussi les financements en fait, des autres secteurs. Alors, ensuite, il y a le défi humanitaire, mais qui est effectivement lié à la sécurité. Puisque aujourd'hui, on a 2 millions de personnes qui sont déplacées dans la ville secondaire au Burkina. Ça signifie qu'ils ont quitté leur village tout en laissant leurs champs, tout en laissant leurs cheptels, leurs biens, disons toutes leurs identités pour se mettre en fait dans la ville secondaire. Donc, il faut comprendre en fait tous les besoins qui se posent. Il faut les reloger,
il faut qu'il ait trouvé de nouvelles terres pour travailler. Il faut aussi travailler également sur la cohésion sociale parce que, étant donné que ce sont des ethnies différentes qui arrivent et qui s'installent dans les nouvelles contrées, alors ils ne connaissent pas en fait les codes sociaux des lieux qu'ils accueillent. Donc c'est des éléments quand même importants. Et tout ça, effectivement, impacte sur la sécurité alimentaire. Parce que ce sont des ménages qui les ont reçus. J'ai fait remarquer qu'il y a quand même près de 26 camps de réfugiés dans ma localité, qui reçoivent au moins 20% de ces personnes-là. Il y a 800 personnes qui sont en fait accueillies dans la zone où nous travaillons. Donc ça fait que les 80% des 800 000 personnes sont accueillies dans les ménages. Donc on peut affirmer que ça crée évidemment les ménages. Ça crée effectivement les tensions à quelque part et ça effectivement aboutit à des problèmes d'accès à l'eau et à l'hygiène, également au surtout en fait l'accès à la terre. Donc voilà pour en fait faire un peu le portrait en tout cas des pays voilà d'où je viens et où effectivement je travaille avec les 100 000 familles. Alors je reviens maintenant sur la semence, Isabelle. Alors là aussi je vais m'attarder sur un peu ce que c'est que la semence déjà. De quoi il s'agit? Chez nous, au Burkina, quand on parle de semences, on parle de beaucoup de cultures. Mais les semences les plus essentielles au Burkina, c'est le sorgho, c'est le mil, c'est le maïs, d'une part. Parce qu'au Burkina, il y a ce qu'on appelle un plan national, qui s'appelle le taux. Le taux s'obtient à partir d'une pâte qui est issue de la farine, soit du mil, soit du sorgho, ou soit du maïs. Vous ne pouvez pas arriver au Burkina Faso dans une famille pour rester et qu'on ne vous propose pas le taux accompagné d'une sauce. C'est vrai que Geneviève n'aime pas trop bien la sauce de gombo, mais je vous assure que c'est une sauce très gluante et effectivement, si elle est bien faite avec effectivement le taux de maïs ou de sorgho, alors c'est vraiment la fête au village. Donc je vous invite à venir au Burkina Faso pour découvrir effectivement cette sauce également, mais également ces farines ici, effectivement, de ces cultures-là. Alors ensuite, nous avons comme semence, on a maintenant le coton, on a le gombo, nous avons l'arachide, le soja, le riz, effectivement, qui sont des semences qui sont aussi, qui viennent effectivement en second lieu, après effectivement les semences véritablement qui sont sollicitées par les 80% des populations du Burkina Faso. Donc, quand nous parlons effectivement de ces semences-là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, parce que c'est ça effectivement qui se met sur le sol pour effectivement cultiver et pour nourrir effectivement les familles, même si d'autres arrivent effectivement à faire, l'exportation. Alors, maintenant, les semences aussi, il y a effectivement des types de semences maintenant. C'est là maintenant où ça devient intéressant et aussi complexe. Parce qu'il y a ce que nous appelons les semences traditionnelles ou informelles. Et ça, ce sont les semences qui est vraiment l'identité des producteurs du Burkina Faso. C'est la semence, effectivement, qui a résisté durant des temps, malgré les sécheresses, les bonnes saisons, qui ont effectivement arrivé effectivement, à traverser effectivement, toutes ces intempéries pour encore exister. Parce que ce sont des semences que lorsque, effectivement, la famille cultive, la famille, effectivement, récolte, alors, avec les femmes et les enfants, ils essaient de faire la sélection, c'est-à-dire qu'ils prennent effectivement les bonnes épis de ces semences-là. Ils les gardent jalousement dans les greniers. Et à la prochaine saison, alors, ce sont ces semences qui sont reprises pour effectivement aller au champ et même distribuer avec les voisins, parce que c'est la culture qui est la première pluie. Alors, chacun effectivement remet sa semence à son voisin pour qu'on puisse effectivement aborder la saison. L'avantage, c'est que c'est une semence qui est totalement au contrôle du producteur. Et effectivement, il a monté sa capacité à s'adapter dans toutes les saisons. Et mieux, comprenez que le fin chercheur, c'est les paysans. J'ai un chercheur à côté de moi, mais les paysans sont arrivés effectivement à mettre en place la même semence qu'ils ont pu sélectionner chaque année, et c'est effectivement couru jusqu'à aujourd'hui. Donc la contribution de cette semence-là à la biodiversité et effectivement à également aussi au changement climatique effectivement sont avérés et c'est ça effectivement qui est vraiment l'identité paysanne. Alors la seconde semence peut-être que nous connaissons au Burkina, c'est ce qu'on appelle la semence dite certifiée. Alors là je vous assure que même si effectivement elle est intéressante, mais sachez que c'est une semence qui a été élaborée dans un laboratoire
pour finalement arriver à analyser son taux de germination, sa capacité effectivement à résister, à dire effectivement que ça, effectivement, c'est une semence certifiée. Et là, la semence certifiée est gérée par le gouvernement à travers ce qu'on appelle le Centre national des semences. Et là, le centre, effectivement, arrive à inscrire des paysans, des producteurs, qui acceptent de faire la reproduction de semences certifiées avec, effectivement, des cahiers de charges. Alors, sauf que les paysans ne le font pas forcément pour pouvoir soit utiliser, en fait, dans leur agriculture, ça se passe, mais à 90%, c'est utilisé pour, en tout cas, revendre à l'État qui s'occupe maintenant de la vulgarisation au niveau national. Mais il y a un problème qui se pose. Déjà, c'est la semence commence à coûter cher. Parce que dans le budget familial, vous n'aurez jamais une famille qui budgète l'achat d'une semence. Mieux, si dans ma société, on estime que préparer sa semence est un sacrilège, mais aller acheter une semence au marché est encore un sacrilège. Parce qu'on ne peut pas avoir des champs de culture, on cultive, on récolte et on part au marché pour acheter la semence. Ça ne se fait pas. Donc, du coup, ça a effectivement un coût important à l'agriculteur. Alors, l'autre problème que ça pose, c'est la biodiversité. Parce que ces personnes-là utilisent cette semence-là pour effectivement produire et les vendre soit à des films ou soit au gouvernement. Mais comprenez avec qui on est maintenant dans une situation où le producteur lui-même devient un commerçant de semences. Et lorsque on produit pour effectivement aller vendre, c'est qu'on veut maximiser. Et en maximisant, la totalité des paysans qui font les semences certifiées utilisent à outrance les produits chimiques, dont les NPK, les urées, les D6, les Lundop, pour effectivement avoir beaucoup de quantités. Donc ça précarise les terres, ça tue la biodiversité et ça compromet effectivement la qualité des terres et même impacte même sur la santé de ceux qui y travaillent. Donc voilà un peu la semence qui quitte déjà des mains des producteurs pour se mettre effectivement à une ferme, en tout cas à une firme et aussi au gouvernement qui effectivement aussi est en train d'être effectivement un acheteur. Mais le problème c'est qu'on va dire oui, on va dire effectivement que le gouvernement effectivement a la responsabilité de divulguer, mais comprenez effectivement que nous n'avons pas de bonnes routes, on n'a pas aussi de bonnes infrastructures de stockage de ces semences-là, et mieux, ça fait qu'à quelque part, même l'accessibilité va être effectivement un gros souci. Alors, et je termine, Isabelle, avec l'autre semence qui est encore à notre avis plus grave parce qu'il y a ce qu'on appelle des semences de variété hybride qui s'en vient au Burkina Faso et c'est encore la catastrophe parce que c'est vraiment des semences qui ne se reproduisent pas. Et là, ça allait très vite au Burkina parce qu'on a des semences de coton, on a les semences de maïs, du soja et même du mil. Donc, du coup, c'est comme si on est en train d'arriver à une situation où les semences qui étaient détenues par les producteurs sont totalement maintenant hors de contrôle et qu'ils sont obligés d'aller effectivement acheter dans une firme étrangère, venir effectivement semer, mais ils ne pourront que les consommer parce que l'an prochain, il faut aller encore acheter la semence ailleurs. Donc voilà une situation qui fait que je peux dire qu'au Burkina Faso, comme peut-être dans beaucoup de régions, on assiste actuellement à ce qu'on peut appeler la guerre de la semence. La bonne nouvelle, c'est que les producteurs, effectivement, ne croisent pas les bras. Ils sont conscients de la situation parce que c'est leur patrimoine, c'est leur identité qui est en train de les échapper et ils s'organisent pour, effectivement, se battre afin de pouvoir maintenir leur semence paysanne. Je crois que dans ma première intervention, je pourrais vous parler des combats des producteurs pour sauvegarder l'air bien qui est le plus précieux et universel. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions là, concernant ce qu'il a dit, gardez-les. On s'en vient. Je veux quand même qu'il puisse, si vous pouvez aussi nous parler de la participation des femmes dans tout ce processus des semences locales. Alors, c'est très important parce qu'il faut dire que les femmes jouent un rôle très important dans la question de la gouvernance des semences au Burkina Faso. Déjà, la question de la sélection des semences dans les champs et dans les villages, ce sont les femmes surtout qui sont véritablement à la tâche, qui effectivement arrivent à sélectionner les bons épis. Et mieux dans ma société, on dit qu'en fait, la femme a la bonne main.
Elle aborde même parce que la plupart des semences que les femmes effectivement arrivent à dire oui, effectivement c'est ça effectivement qu'il faut prendre parmi les tonnes de semences que nous avons. C'est ça effectivement qui va être effectivement la réponse à notre semence l'année prochaine. Et effectivement, ça donne effectivement vraiment des bons résultats. Et ensuite, il faut dire que il y a aussi une question d'éducation qui est là. La femme est quand même garante de l'éducation des enfants dans la famille. Donc la femme, effectivement, arrive à toujours expliquer la dynamique de la semence, qui est en fait quelque chose, c'est quelque chose en fait de dynamique, de vivant. La semence s'adapte. Les gens arrivent effectivement à démontrer que la semence est dépassée. Non, mais ce n'est pas quelque chose qui dépasse. C'est quelque chose qui s'adapte et qui va avec le temps. Et la femme le sait pour effectivement l'intégrer en fait dans l'éducation de ses enfants. Et aussi à leur montrer toutes les méthodes agricoles endogènes qui ont toujours été la réponse à la bonne fertilité des terres aujourd'hui. Et elles sont véritablement, en tout cas, comme on appelle ça, en tout cas au-devant, au cœur de cette activité. Et mieux, nous, on travaille avec 360 coopératives. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que près de 60 coopératives sont dirigées vraiment par des femmes. Dans toutes les filières que nous avons. Donc, elle est vraiment au centre de cette sélection, elle est au centre, effectivement, de ce défi, et elle est toujours présente pour que la semence qu'elle est connue depuis très longtemps puisse exister. Donc, la femme, véritablement, est une actrice de premier plan dans la gouvernance semencière au Burkina Faso. Merci beaucoup. Et est-ce que vous diriez qu'il existe du troc de semences? Et là, l'exemple que j'ai, c'est que nous avons ce qu'on appelle un centre de résilience agricole au Burkina Faso qui a été mis en place en 2016 avec le soutien de nos partenaires, y compris Mission Inclusion. Charles, que j'ai en face de moi, est un de nos partenaires qui a travaillé pendant peut-être 12 années avec nous et qui a vu naître effectivement des initiatives à notre niveau. Et nous avons ce qu'on appelle la banque semencière. Et la banque, c'est le groupe 120 semenciers qui, effectivement, à chaque fin de campagne, chaque producteur ramène sa semence au niveau de la banque semencière. Et effectivement, chacun peut effectivement prendre la semence de l'autre. Donc, c'est vraiment un truc de troc à quelque part. Troc, oui, parce que c'est vraiment un partage, effectivement, de semences. Soit, effectivement, bon, moi, j'amène effectivement des semences de 1000, je prends le combo. L'autre a bien des semences, c'est pas moi, de soja, il prend les semences de mung bean. Et effectivement, la maison tourne comme ça, et ça permet en tout cas à tout moment d'avoir les semences. Bon, c'est important parce que la banque, effectivement, même si c'est pour disponibiliser, mais ce partage est très essentiel, c'est très culturel, et c'est comme à pile à quelque part qu'il y a une association locale avec un ancrage solide dans sa communauté, mais elle reste tout de même une organisation moderne. Alors, les producteurs se reconnaissent dans leur culture, dans leurs valeurs, à travers cette orchestration des personnes qui viennent avec des semences diversifiées et ils se les partagent. Ils en font effectivement des séquences pour renforcer leur société, pour renforcer aussi leur cohésion dans les centres qu'on a mis en place et qui est vraiment utilisé en fait par ces femmes et ces jeunes. Donc, vous diriez que le gouvernement ne met pas beaucoup de bâtons dans les roues dans les échanges de semences? Visiblement, non, mais stratégiquement, oui. Parce que s'il n'y a pas une volonté politique, que les semences traditionnelles ou informelles sont la réponse aux problèmes que l'agriculture a aujourd'hui, il va de soi, effectivement, que les paysans même soient perturbés. Parce qu'on va toujours parler de semences hybrides, de semences certifiées, mais et lui, sa semence auquel, effectivement, il tient. On met des efforts pour démontrer que la semence ne tient pas avec le changement climatique. On met les efforts pour dire que les terres sont dégradées et qu'il faut changer de semence. Mais on ne travaille pas sur le fait que la semence elle-même s'adapte et que les paysans ont l'ingénierie de sélection et qu'ils peuvent effectivement travailler dans ce sens. On est en train de travailler effectivement à aider en fait des films extérieurs à avoir vraiment les monopoles de ces semences-là pour que les producteurs puissent être maintenant un acheteur de semences et non un producteur ou un conservateur. Et on a peut-être un petit temps peut-être pour un témoignage d'une famille ou d'une situation que vous connaissez, que vous aimeriez partager au public.
Oui, je sais que dans ma contrée, il y a eu effectivement une situation comme ça qui a ébranlé effectivement la communauté. Et je crois que c'est, nous-mêmes, ça nous a quand même échappé parce qu'il y a eu une semence de mille qui est arrivée dans la contrée et qu'on a juste fait un échantillon. Je crois que c'est un échantillon qu'on a fait au niveau national pour un peu pouvoir essayer. Mais comme dans une communauté, dans une village, on donne juste à 3 à 5 personnes, alors c'est des paysans qui se sont sentis heureux, sont sentis honorés, parce que si les 2000 personnes dans les villages, là, c'est eux qu'on a trouvé pour les lever, effectivement, une semence qui n'est pas détenue par n'importe quelle personne. Alors, effectivement, ils ont effectivement semé. Ça donnait, effectivement, ils ont récolté. Mais sauf que le donateur n'a pas expliqué le problème, effectivement, qu'il y a. On n'a pas expliqué que vous avez juste à utiliser cette semence-là pour semer les côtés, nourrir votre famille, mais vous n'avez pas la possibilité encore de prendre cette semence pour aller encore semer. Et effectivement, ça n'a pas trop donné, mais ça a quand même donné un peu, quand même. Mais, sauf qu'ils étaient plutôt fixés sur le fait qu'on a produit cette année une première production, mais après, voilà, ça a une occasion pour que je puisse encore faire des hectares. C'est maintenant à l'école qu'ils ont compris que non, cette semence-là, elle est particulière parce que vous ne pouvez pas utiliser encore cette semence pour semer. Vous devez en fait les venir chez nous pour qu'on puisse vous donner encore d'autres semences. Donc ça choque quand même ceux-là qui ont obtenu. Et ils se sont vite trompés parce que c'est pas dans leurs habitudes. Et c'est un choc parce qu'ils ne se disent pas que ce type de plante, entre guillemets, peut exister. Et là, ça donne également un élan qu'effectivement, sélectionner sa semence, pouvoir la conserver et la semer, est en tout cas la solution vraiment qui s'adapte effectivement à la culture. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez appris des choses sur le Burkina Faso. Donc maintenant, j'aimerais revenir vers le Québec. Laissez-moi vous présenter Hugo Martorell. Il occupe le poste de coordonnateur de programme régional au Québec chez SEM L'Avenir. Et il a pour la mission d'augmenter la qualité, la quantité et la diversité des semences produites localement. Son rôle est d'animer des réseaux semenciers au Québec, dans plusieurs cultures, et d'organiser des formations et de coordonner des projets de recherche appliqués. Hugo s'intéresse particulièrement à la pomme de terre, le blé panifiable, l'avoine, le haricot sec, le légume maraîcher. Et à travers ses expériences avec SEM L'Avenir, Hugo a développé une passion contagieuse pour les semences, l'adaptation régionale et la création variétale. Donc, on vous laisse présenter. Allô tout le monde, bonjour. Je voudrais remercier Isabelle, Geneviève pour l'introduction, puis Abdoulaye pour ta présentation. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre du Burkina Faso. Donc je vais vous faire une petite présentation, un état des lieux sur où est-ce qu'on en est par rapport aux semences au Québec. Donc quand on pense aux semences, la plupart d'entre vous vont penser aux fêtes des semences qu'on a chaque année pendant l'hiver, où on va, en fait c'est une foire agricole qu'on a un peu partout au Québec, dont une très grande à Montréal, où des artisans semenciers vont venir vendre des sachets de semences, de tomates, de poivrons, de laitue, etc. Et donc ça, c'est le mouvement des semences de légumes qu'on a depuis au Québec depuis 20-25 ans, qui est vraiment, on va dire, en chef de file pour... et qui s'aligne vraiment avec les objectifs de on va cultiver des semences localement, on va cultiver la biodiversité, et ça c'est vraiment en fait le maillon des semences dans les légumes maraîchers à une échelle artisanale. Mais c'est finalement qui cultive ces semences-là, c'est principalement des jardiniers quand même quelques maraîchers. Mais quand on regarde les semences, on peut le voir ça dans un spectre. En fait, il y a la dimension artisanale de produire des semences de légumes pour des jardins. Et puis il y a une dimension aussi commerciale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on approvisionne les producteurs, notamment de grandes cultures de céréales avec des semences de bonne qualité. Et en fait, c'est vraiment deux dynamiques différentes. En fait, si on parle de semences maraîchères, si on parle de semences de pommes de terre,
semences de maïs, semences de céréales, de haricots. C'est chaque espèce, chaque culture va avoir une spécificité, elle va avoir des enjeux. Et donc, quand on s'intéresse aux semences au Québec, eh ben, faut y aller avec ces nuances-là, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout généraliser. Les légumes, le maraîchage, c'est un volet, le jardinage, c'est un volet important. Mais c'est on va dire, un segment de notre régime alimentaire. Et donc, il faut s'intéresser aussi à ces autres espèces agricoles. Alors, moi, je vais me focusser aujourd'hui sur le maïs. Et la raison, c'est que le maïs, c'est contrairement aux légumes maraîchers, il y a des enjeux qui sont très pressants, très urgents pour nous. Quand on pense au maïs, on pense aux 3000 ans d'histoire qu'on a dans la région du Bas-Saint-Laurent, espèce qui a été domestiquée au Mexique, qui a été cultivée par le peuple Haudenosaunee, les Iroquois, les Mohawks, dans la région, jusqu'en Gaspésie, par les Micmac. Et donc, il y a une réalité historique à cette culture-là. Quand on sort de Montréal, il suffit de voir les champs de maïs pour se rendre compte à quel point cette espèce qui était domine nos paysages. Et en fait, c'est pas n'importe quelle semence, c'est des semences issues de la biotechnologie, donc des semences, c'est des OGM en fait, donc qui sont produites par les grandes multinationales, Bayer et Monsanto, etc. Donc en 2017, sur les centaines de variétés de maïs disponibles sur le marché du Québec, 84% étaient des semences OGM. Dans le soya, 75%. Dans le canola, 81%. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on est en plein dans la biotechnologie et l'agro-industrie pour ces grandes cultures-là. C'est ça qui domine notre paysage. Donc en fait, on est bien loin de l'artisanal qu'on voit dans les fêtes des semences et qui est présent dans notre imaginaire collectif. En 2020, 90% des superficies de maïs étaient de l'OGM. Et le problème que ça pose en fait avec les biotechnologies, les OGM, etc., c'est que y a des problèmes des multinationales, il y a les problèmes du rôle du gouvernement dans la réglementation. Mais l'enjeu, c'est que ça contamine les espèces non OGM. Donc en fait, si moi je suis un producteur de maïs biologique, si j'ai un producteur de maïs à côté qui cultive des OGM, mon stock va être contaminé. Okay. Donc ça c'est la réalité pour les producteurs biologiques de grandes cultures. Et nous on collabore avec une coopérative agricole qui s'appelle la Coop Agrobio du Québec. Donc en fait c'est les producteurs de céréales du Québec biologiques qui se sont regroupés dans les années 2000 et puis qui se sont dit on va développer notre propre stock de semences de maïs. Alors ça, c'est avec des gens comme Loïc de Wavrin du Moulin des Cèdres en Montérégie. Et donc là, ce qu'ils ont fait comme producteurs de céréales, ils se sont dit, on va voir c'est quoi les semences qu'on a, qui sont disponibles. Donc ils sont allés dans les banques de gènes d'Agriculture Agroalimentaire Canada, ils sont allés en France, en Bretagne, ils sont allés aux États-Unis, et puis ils ont regardé c'est quoi les variétés que vous avez qui sont à pollinisation libre, en fait, qui ne sont pas des hybrides, qui sont des variétés à pollinisation libre, et qu'on va regarder si elle fonctionne avec notre mode de production. Et donc ils ont essayé plusieurs variétés. Donc c'est ce qu'on appelle un essai de variété. On va planter nos 10 variétés de maïs la même journée et on va regarder leur architecture. On va regarder comment est-ce qu'elles poussent, leur précocité, leur rendement, leur Et là, on va se dire, celle-ci, c'est la variété qui fonctionne le mieux. Ou celle-ci, elle a ces qualités-là, mais je préfère... celle-ci, elle est plus vigoureuse, donc en fait, on peut peut-être les combiner. Et ils étaient intéressés par des maïs, des maïs peut-être un peu plus colorés, des maïs rouges, des maïs bleus, des maïs blancs. C'était principalement des maïs pour la farine, hein, parce qu'on a le maïs d'ensilage pour les animaux, le maïs pour la farine, le maïs sucré, le blé qu'on connaît. Et donc ça, c'était du maïs de farine. Donc ils ont évalué ces différentes variétés. Et puis là, ils ont commencé à faire des tests sur les semences, se dire est-ce qu'il y a des traces d'OGM dans ces semences-là.
Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune façon pour eux de produire de la semence au Québec, parce que, à cause de la contamination OGM, toutes les souches auxquelles ils avaient accès étaient déjà contaminées. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as 0,3% de contamination dans ton lot de semences? À la fin de la saison, le pollen va se déplacer, et puis à la fin de la saison, tu auras plus d'OGM qu'au début de la saison. Et ce qui se passe, c'est que leurs acheteurs vont dire non, on veut de la semence, d'une production certifiée biologique, et on n'accepte pas au-dessus de tel seuil de 0,9% de contamination OGM dans votre maïs. Donc le constat, c'est qu'après des années d'évaluation de variétés, d'essayer de parler avec des fournisseurs de semences, peut-être trouver des variétés qui arrivent à rejeter le pollen de semences OGM, c'est de trouver des solutions finalement pour cultiver de la semence propre. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas de semences propres, il n'y avait pas de semences non OGM au Canada. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a passé ce moment de non-retour. On a passé ce point de bascule de non-retour où notre stock de semences de maïs est contaminé. Et pour nous, avec Sème l'Avenir, ce qu'on faisait avec ces agriculteurs-là, c'est qu'on essayait de développer des variétés, on essayait d'encourager la production locale, et ça a été un échec. C'était un échec parce que non seulement le stock était contaminé, mais même ceux qui avaient réussi à produire de la semence de maïs qui était vigoureux et qui avait des bonnes caractéristiques, ils n'arrivaient pas à convaincre leurs collègues agriculteurs à les cultiver. Pourquoi ? Parce que les rendements étaient un peu moindres, même si ils auraient pu avoir peut-être un meilleur prix parce que c'est un maïs bleu ou un maïs rouge, ils n'arrivaient pas à convaincre leurs propres collègues à cultiver ces variétés-là. Et la réalité, c'est que le prix des terres est très élevé, la pression économique sur les agriculteurs est extrêmement serrée, la compétitivité avec d'autres pays. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où on veut essayer de cultiver la biodiversité et on est confronté à une réalité technique, agricole, agronomique, économique des producteurs qui font qu'ils ne peuvent même pas adopter des semences que leurs propres coopérants ont essayé de développer pour eux. Et donc, malgré cet état des lieux qui est dans le maïs biologique de grande surface, et là vous pouvez trouver des produits d'agrobio dans certaines épiceries, notamment Rachel Berry. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, ces producteurs-là? Ils sont cherchés encore à l'international et ils sont allés voir une coopérative d'agriculteurs en Autriche. Et ce qui se passe en Autriche, c'est que l'Autriche, c'est des montagnes, donc c'est un climat qui est assez frais, donc similaire avec certains parallèles au Québec, mais c'est un pays où le gouvernement a une réglementation très stricte qui dit qu'il n'y a pas d'OGM en Autriche. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait une entente avec cette coopérative d'Autrichiens, d'agriculteurs autrichiens, SATBO, pour importer des semences biologique non OGM d'Autriche. Et donc là, c'est malheureusement, c'est pas des variétés à pollinisation libre, c'est des variétés hybrides. Ce que ça veut dire, un hybride, en fait, ça veut dire que c'est un croisement entre deux variétés à pollinisation libre, et l'idée, c'est d'aller chercher une vigueur supplémentaire. Donc il y a tout un débat dans la communauté semencière sur les avantages et les inconvénients des hybrides. La plupart des légumes que vous achetez, c'est des hybrides, parce qu'il y a un peu plus de vigueur. Mais en fait, la raison pour qu'on n'a pas autant de vigueur dans les variétés à pollinisation libre, c'est qu'on n'a pas fait autant de sélection, autant de recherche. Et on pourrait probablement aller chercher une très bonne vigueur et des très bons rendements avec les variétés à pollinisation libre si on avait des programmes de recherche, des réseaux très structurés pour faire une sélection pointue et une adaptation de ces cultivars-là. Donc les producteurs de maïs maintenant s'approvisionnent en Autriche et sont en train de structurer cette filière au Québec pour approvisionner les marchés. Et en fait, c'est une histoire qui est complètement moi que j'aime parce que on est honnête avec le ça vient des agriculteurs, c'est les solutions que les agriculteurs bio ont trouvées par eux-mêmes. Et en fait, c'est une histoire d'échec, et c'est aussi une histoire de les solutions viennent peut-être sont peut-être pas aussi intuitives qu'on aimerait,
Et on essaye de réconcilier en fait la dimension biologique, donc éco-responsable, la dimension de, bah, on veut que ça vienne des agriculteurs, on veut que ça soit artisanal, mais en même temps, il faut que ça fitte dans notre système de production, de grande culture, etc. Donc voilà, ça fait un petit tour de l'anecdote que je voulais vous partager et un peu des nuances derrière l'enjeu, les enjeux semenciers au Québec. Merci pour ce résumé, ce vécu. Alors, vous avez pu voir, Mme Geneviève a fait ses devoirs, elle prend des notes parce qu'on aimerait connaître votre constat des deux contextes et puis que vous puissiez nous donner votre avis. Merci Isabelle. Madame Geneviève. ça fait école, hein? Bon, premièrement, je veux m'excuser à Abdoulaye, à tout le Burkina. Je vais mieux goûter le taux la prochaine fois, je vous le promets. Je vais porter une plus grande attention à votre plan national. Mais dans les enjeux communs, ce que je trouvais intéressant, c'est justement dans le choix aussi de la filière pris par Hugo, mais, qui est le maïs, puis la présentation d'Abdoulaye, ce qui est ressorti quand même en filigrane, c'est le rôle culturel que joue l'alimentation ou la semence même. Donc, chez nous, le maïs est important depuis assez longtemps, tu l'as bien souligné, Hugo, mais même maintenant, on fait les épluchettes de blé d'Inde, donc ça fait partie de notre culture. Donc, prendre conscience de d'où vient, quelles sont les semences, d'où ça vient, comment ça en est, ça devrait aussi faire partie de qui on est, de comment on se définit, de où on va. C'est un plan national au Burkina Faso, vous l'avez dit. Donc, tu sais, il y a la semence, l'agriculture, ce qu'on mange, joue un rôle, oui, économique, Hugo, tu l'as bien souligné, mais aussi culturel, identitaire, puis de lien entre nous, qui fait que dans le vivre ensemble, c'est important. Donc, dans les enjeux communs, je pense qu'il y a tout cet aspect-là. Puis, une des questions qu'on peut se poser, je vais y revenir plus tard, parce que l'autre point qui a été mentionné dans les deux présentations, c'est ce qu'on appelle les différents systèmes semenciers. Abdoulaye en a fait vraiment référence en parlant à la fois du système paysan, ou peut-être ce qu'Hugo fait référence en étant le système artisanal, versus un système qui est plus commercial, ou dans lequel qui est plus contrôlé par les multinationales, les producteurs de semences, et un système qui est à hauteur des agricultrices, agriculteurs, paysans, paysannes. Donc, ces enjeux-là, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est en commun à la fois au Québec et à la fois au Burkina. Puis comment ces deux systèmes-là coexistent? Est-ce qu'ils coexistent? Puis est-ce qu'ils coexistent de façon égale ou non? Je pense qu'Hugo a touché certains enjeux par rapport à la recherche sur la sélection des semences, sur comment on peut avoir des semences qui sont plus vigoureuses, plus productives dans différents milieux. Mais si la recherche, puis si les fonds vont uniquement dans un certain type de système semencier ou de gouvernance semencière, mais ça crée des inégalités. Ce qui est intéressant dans le cas du Burkina, puis je pense qu'on peut vraiment apprendre beaucoup, c'est que vous avez parlé du centre de recherche que vous avez sur les différents types de semences, comment on les cultive, comment on les produit, comment on les échange, comment on peut travailler ensemble pour voir les différents enjeux. Il y a aussi toute les semences, en tout cas pour nous, à Succo, ça se place dans une vision d'un système alimentaire viable. Fait que c'est sûr que si on voit une production de filière, avec on produit un type de produit, là, le maïs, puis on fait toute la chaîne vers l'exportation, ben, ça vient un peu, ça pose la question de la biodiversité, non seulement sur le maïs comme tel ou sur ce qu'on produit, la culture, mais aussi sur la production agricole. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui sont aussi intéressants à ce niveau-là à se poser comme question. Puis dans la présentation d'Abdoulaye, il était assez clair sur les types de semences qui existent, les types de production agricole qui sont la variété qu'il y a en cours au Burkina. Donc, pour résumer, Madame Isabelle. C'était pour montrer le côté experte. Ah, c'est gentil, merci. Donc, en gros, le rôle des semences et des productions agricoles dans l'identité culturelle, dans la variété de l'identité culturelle aussi, dans l'expression, dans le vivre ensemble, aussi en termes d'enjeux sur les systèmes semenciers qui existent, qui coexistent en ce moment, les systèmes plus
dit commercial avec les grandes multinationales qui font la recherche, qui sélectionnent, qui produisent, commercialisent des semences, qui les contrôlent, versus un système, ben, comme moi j'aime bien dire paysan, qui est un système qui redonne le pouvoir d'une certaine façon aux producteurs, productrices en termes de semences. Donc ces deux enjeux-là coexistent, je pense, à la fois chez nous, Hugo, et au Burkina. Voilà. Merci. Super. Donc, on va venir avec une étape importante. Quelles pourraient être les solutions à cette thématique si importante et voir si chacun de vous répondait, est-ce que ça va être semblable ou est-ce que vous allez avoir complètement des réponses différentes. Donc, on aimerait vous entendre, chacun de vous, assez rapidement là, pour donner des solutions. Okay. Merci, Isabelle. Et moi, ce que je vois comme solution en ce qui concerne le Burkina, c'est d'abord la solidarité paysanne. Alors, nous, une autre anecdote que je voulais un peu expliquer, c'est que dans ma région, il y a un paysan qu'on a surnommé le paysan fou. Mais en fait, il n'est pas fou en réalité, mais plutôt, il est plutôt intelligent. Parce que lui, c'est, quand on parle de sélection des semences, c'est bien lui. Il a vraiment la spécificité, c'est-à-dire ses femmes, ses enfants. On les sollicite pour venir sélectionner des semences dans d'autres localités. On ne sait pas comment, mais ils ont vraiment l'expertise de la sélection. Et là, pourquoi on l'a surnommé fou? Parce que sa canne, lui, il fait pratiquement près de une à deux tines de semences qu'il distribue aux voisins. Tous les gens qui font le tour de lui, son domaine-là, ils distribuent. On lui dit, mais pourquoi tu distribues gratuitement des semences à des gens comme ça? Il dit oui, je sais ce que j'ai fait, parce que si je ne les dote pas de semences, ils vont aller prendre gratuitement les semences d'ailleurs. Et lorsqu'ils vont effectivement utiliser, ça va embaumer moi mes terres. Voilà pourquoi moi je souhaite que je les octroie des semences, que j'ai moi-même vérifié et certifié. Je sais qu'ils ne vont pas perdre, ils vont gagner. En même temps, ils protègent moi et mon champ et ma culture. Donc je crois que si effectivement on développe ce type de solidarité, on peut véritablement arriver aussi à se construire une force vraiment endogène qui puisse résister aujourd'hui avec les tendances nationales et internationales. Alors, le second élément également, c'est la gouvernance semencière qu'il faut effectivement renforcer. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des groupes de paysans qui sont conscients de la situation et qui s'organisent. Moi, je suis également, en dehors des APIS, je suis également le président du Conseil national pour l'agriculture biologique au Burkina. Alors, là-bas, c'est quoi? Là-bas, nous sommes près de 160 organisations. Il y a également des chercheurs, il y a des universités qui sont là aussi pour travailler sur ces dimensions et pour aussi conscientiser les communautés sur le fait qu'effectivement, il y a un danger qui est là. Alors, donc, je crois que ces organisations, il y a également la CPF, Confédération Paysanne du Faso, il y a le COASP au Burkina Faso. Ce sont des alliances effectivement, qui sont conscientes qu'aujourd'hui, il y a l'identité paysanne qui est en train de s'éclater et qu'il faut effectivement la ramener. Et je crois qu'accompagner ces structures-là peut aider à ce que la semence puisse résister, malgré effectivement que ce soit aujourd'hui un enjeu international. Merci. Avant de passer à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez une solution de ce que vous connaissez du Québec et de ce que vous avez entendu de Hugo. Est-ce que vous avez une idée, une solution qui vous vient avec vos compétences en tête? Moi, ma solution en tant que leader d'association, c'est d'encourager la multiplication de ce type de banques de semences que nous avons dans nos pays et dans nos localités. Parce que l'avantage, effectivement, c'est que avec la modernisation en fait de tout dans nos localités, les cultures sont en train de se fragiliser. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas toujours admis dans certaines localités qu'il y ait des patates de semences, qu'il y ait une attention effectivement sur ces semences-là. Mais ce type d'initiative, effectivement, rappelle l'identité sociale et culturelle de la semence et que aussi, c'est aussi une façon aussi de résister avec effectivement ces forces extérieures qui interviennent. Moi, je trouve que si effectivement on travaille à conscientiser les acteurs, à conscientiser effectivement les producteurs
et qu'effectivement, ça crée tant effectivement de toute sa contribution, on peut arriver en tout cas à gagner. À gagner, ce n'est pas seulement dans nos actions isolées, individuelles, mais aussi, c'est aussi l'enfance, en fait, les plaidoyers au sein auprès des décideurs, pour qu'effectivement, ils appréhendent le rôle social, le rôle, j'allais dire, culturel et identitaire de la semence, et aussi montrer des évidences que, et malgré tout ce qui peut se dire dans une semence traditionnelle ou informelle, alors elle est toujours d'actualité, elle peut compter toujours, et elle est même la réponse aujourd'hui aux enjeux que nous avons, notamment en fait des changements climatiques. Merci. Merci, on apprécie avoir votre opinion. Qui aimerait embarquer? Bon, je vais y aller. C'est les solutions, il y en a. Il y en a même beaucoup. Pour moi, dans mon quotidien, on n'a pas un déficit d'idées sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et diversifier le système semencier au Québec. L'enjeu, c'est un enjeu d'ONG qu'on a, c'est-à-dire avoir accès à des financements, sensibiliser les décideurs publics sur l'importance des semences, etc. Mais ça, je vais mettre ça de côté pour un moment et d'y aller plus à un niveau individuel, c'est-à-dire nous, dans ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Déjà, il y a souvent, en fait, nos ancêtres savaient comment reproduire des semences et puis ces connaissances-là ont été coupées d'une génération à une autre, peut-être avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et puis on a oublié qu'il y avait des semences dans une tomate, on avait oublié que le haricot, que la fève, c'était une semence, que le maïs, il y a des semences, il y a des semences dans le tournesol, il y a des semences partout. On a oublié que pendant 10 000 ans, on a coévolué avec les plantes et que c'est des paysans, des jardiniers avec peu de ressources, peu de moyens qui ont permis de générer tout le patrimoine comestible qu'on a aujourd'hui. Et donc, de partir de là, c'est aussi de se dire on a le pouvoir, individuellement, collectivement, en tant que jardinier, en tant que mangeur, à se réapproprier ces savoir-faire-là. Et quand on peut à consommer auprès d'agriculteurs locaux, quand on a l'occasion de parler avec un élu, de montrer que l'enjeu de la biodiversité, de l'environnement, de l'agroécologie, de l'agriculture, ce sont des enjeux qui nous préoccupent intimement et sont des enjeux qui sont un facteur par rapport à notre destinée collective sur comment est-ce qu'on va vivre les 50, 100 prochaines années à l'heure des changements climatiques. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est de travailler avec les agriculteurs pour essayer de conserver le patrimoine, les variétés anciennes, les variétés patrimoniales. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de développer, c'est de générer de la nouvelle diversité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des croisements. Et là, on développe des nouveaux bassins génétiques. Et quand on génère des nouveaux bassins génétiques, on peut l'adapter à différents climats, à différents types de sols, à des régions plus nordiques. À des événements d'extrême sécheresse ou d'inondation comme on a eu cette année. Et donc, moi, je dis, on se réapproprie ces savoir-faire-là, on en parle avec les gens autour de nous, on s'associe avec des agriculteurs, on essaie de mieux comprendre leur réalité, et quand on a l'occasion de demander à un agriculteur, c'est quoi comme variété de courge butternut que tu as là aujourd'hui, est-ce que c'est un hybride, est-ce que c'est une variété à pollinisation libre, est-ce que ça vient de la ferme Tournesol ou de High Mowing Organic Seeds, ou ça vient de Norseco, de quelle compagnie est-ce que ça vient, est-ce que tu les as conservés toi-même, et puis avoir cette discussion-là pour collectivement avoir monter sur la coche en termes de capacité collective. Merci. Oui, effectivement, je pense que dans les pistes de solutions, c'est l'éducation, s'éduquer nous-mêmes, là, un peu ce que dit Hugo, comme mangeur-mangeuse, comme consommateur-consommatrice, puis être conscient de ce qu'on achète, d'où ça vient, comment c'est produit, ces choses-là, mais aussi être ouvert à la diversité. Hugo le mentionnait tout à l'heure, il y a des maïs de toutes sortes de couleurs, maïs bleu, maïs rouge, maïs... Peut-être qu'on pourrait faire une épluchette de blé d'Inde un moment donné avec du maïs de toutes sortes de couleurs. Donc, habituer nous, comme consommatrices, comme mangeuses, mangeurs, de
avoir des choses qui sont différentes, puis de le demander aux gens qui produisent ces trucs-là, ces producteurs, productrices. L'offre et la demande. L'offre et la demande. C'est quand même un jeu qu'on peut jouer, qui est un levier qu'on a. J'ai aimé aussi, Abdoulaye, vous l'avez mentionné, l'idée de la solidarité paysanne. C'est un peu, puis je pense dans les solutions que Hugo a mentionnées tout à l'heure aussi, c'est la même chose. Les producteurs, productrices se sont regroupés en disant, bon, ben voici l'enjeu, comment sont nos solutions? Cette solidarité-là est importante et puis essentielle, puis je pense aussi que c'est un contrebalanc à l'autre système de production de semences, qui est le système commercial, qui est détenu par des multinationales, dont l'objectif en est un de profit, pas un de nourrir le monde. Donc, il y a vraiment la solidarité paysanne, la solidarité avec les gens qui mangent, c'est aussi une façon d'aller de l'avant, c'est des pistes de solutions. Il y a toute l'idée aussi de l'adaptation au changement climatique puis la biodiversité, je pense que ça, c'est démontré, que pour de plus en plus être en mesure de faire face aux extrêmes climatiques, on n'aura pas le choix d'avoir différentes sortes de trucs qui poussent. Est-ce qu'on est dans les temps, Mme Isabelle? Oui, je reçois des indications, pardonnez-moi. Non, c'est bon. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est... Voilà, ça va m'en venir. Quelqu'un aimerait... Oui, je voulais quand même revenir un peu sur un aspect peut-être qu'on n'a pas trop évoqué. Et c'est même le modèle agricole de façon globale qu'il faut regarder. Et parce qu'au niveau du Burkina Faso, j'ai parlé du Sénabio. Nous avons mis en place le Sénabio en 2011 et c'est pour effectivement donner une autre alternative de production au niveau du Burkina. Parce que si vous savez qu'il y a 250 000 hectares de terre qui sont dégradés ou perdus chaque année et que c'est lié aussi en partie aux pratiques agricoles, nous avons voulu véritablement travailler à promouvoir l'agroécologie. Et je vous avoue qu'au départ, en ce moment, ce n'était pas vraiment du gagné. Parce que lorsque dans le musée de l'agriculture, on parle d'agroécologie, c'est comme de l'utopie. Mais on a tout fait pour qu'il y ait les ministres qui viennent pour effectivement ouvrir la séance et mettre en place l'Assemblée. Et que, effectivement, et 8 mois après, il est mis en place ce qu'on appelle le point focal agroécologie. Donc c'est un départ pour que le ministère lui-même réfléchisse déjà au modèle conventionnel qui a pendant longtemps monté quand même ses insuffisances et qu'il faut effectivement qu'il y ait effectivement un autre modèle effectivement pour effectivement remplacer. Parce que les terres se dégradent davantage et mieux. Les produits qui sont élaborés souvent, les consommateurs sont en train de comprendre que la plupart également aussi des maladies nouvelles qui s'en viennent aussi sont liées au système alimentaire actuel. Parce qu'on consomme sans savoir ce qu'on consomme aujourd'hui dans notre pays. Et mieux, le manque de conscientisation, de sensibilisation envers les consommateurs fait qu'ils sont plus astreints à consommer et à recevoir un produit international qu'un produit fabriqué localement. Mais je vous assure qu'avec les cheminots qu'on a fait avec la centaine d'associations, aujourd'hui, en 2022, on a pu adopter au niveau national la politique d'instance en matière d'agroécologie au Burkina, à sortir d'un plan stratégique de 3 ans. Donc, ça signifie que le Burkina Faso reconnaît l'agroécologie comme une approche agricole qu'il faut effectivement implémenter en lien et pas de l'agriculture conventionnelle. Donc, toujours renforcer effectivement la transition des communautés vers cette pratique-là, pour moi aussi, va aussi nous faire rappeler effectivement aussi les pratiques ancestrales par rapport aux semences et que l'État va aussi, petit à petit, effectivement, faire confiance aux semences traditionnelles et androgènes qui sont aussi admis en agroécologie et qui sont même à quelque part reconnus par ces communautés-là. Donc je crois effectivement à ce modèle agricole qui est en tout cas en train de prendre des chemins au Burkina et qui effectivement s'y est véritablement un accompagnement encore, une accentuation de la volonté politique, alors on peut en tout cas arriver à une solution encore plus viable par rapport à la gouvernance sémacière. Et aujourd'hui, ça en est aussi une solution. On en parle, on en discute, on partage le savoir. On aimerait passer maintenant à une période de questions du public. Est-ce que vous avez des questions pour nos experts? On a une question ici. On les invite. Non, les gens en ligne entendent des questions. OK, parfait. Ici, j'ai vu la main levée. Oh. Juste
un instant. Ça ne sera pas bien long. On veut s'assurer qu'en ligne, vous puissiez. Ensuite, on va donner le temps à quelques questions en ligne. Donc, gardez vos questions. Vous pouvez les préparer aussi pour qu'on puisse vous donner la parole plus tard. Merci. Merci pour les panélistes. C'est très enrichissant. Je commencerai par une petite solution avant de poser ma question. J'entends ce que dit Hugo et puis ce que nous dit Abdoulaye. Je me suis dit, bon, vu aussi les expériences assez avancées au niveau des semences au Québec, pourquoi ne pas internationaliser la solidarité des semenciers, donc une collaboration entre les organisations impliquées. Je pense que ça peut être, parce qu'apparemment quand même, bon, je connais plus ou moins le travail semencier au Burkina, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'au Québec, il y a un effort qui a été fourni et qu'il y a quand même des progressions qui sont intéressantes, qui peuvent être partagées. Donc, je pense que ça serait une des pistes de solution. Bon. Maintenant, ma question aussi, au Burkina, dans le secteur du coton, je me souviens qu'à un certain moment, les producteurs du coton ont été capables de mettre dehors Monsanto, ce qui était un succès. Vous, Abdoulaye, APIL comme organisation, en tout cas moi je pense que, parce que vous avez parlé du plaidoyer auprès du gouvernement, quel est le travail qui est fait d'informer et de former les producteurs agricoles sur les enjeux liés aux semences? Parce que le plaidoyer, ce n'est pas un travail qui va être fait seulement par vos organisations. J'ai vu par exemple dans votre commune un certain moment où les femmes, 200 femmes se sont mobilisées pour faire pression à la commune, et les résultats qu'ils ont eu par rapport à ce qu'ils voulaient. Donc, ce n'est pas vraiment seulement les ONG qui vont faire ce travail-là. Comment vous informer, comment vous former vos organisations, vos coopératives, pour qu'ils puissent faire le plaidoyer auprès des gouvernements? Parce que vous parlez de votre politique agroécologique. On sait très bien qu'en Afrique, au niveau de la production des documents, c'est magnifique, mais la mise en œuvre, c'est pas souvent ça, quoi. On peut le laisser répondre au début de votre question, pour donner la chance un petit peu à d'autres questions. OK. Donc, merci, Charles, pour ce questionnement et ces solutions. J'arrête le fait qu'effectivement, il faut qu'on ait une solidarité internationale, parce que le CIMA n'est pas véritablement un enjeu juste national, mais elle est vraiment transfrontalière et elle est internationale. Alors, tant que les communautés paysannes elles-mêmes ne s'organisent pas et ne se serrent pas la main, ça ne va pas être facile, effectivement, de combattre aussi. À quelque part, certaines voies, en tout cas, qui ne sont pas, pour que les paysans puissent avoir une indépendance dans leur gestion semencière. Alors, ce que nous voyons sur le terrain, c'est qu'effectivement, afin de faire commencer un travail qui date quand même depuis 2008, on a compris que là, si on va effectivement commencer au niveau national, les plaidoyers, on va mettre du temps aussi à y arriver. On a commencé à faire ce qu'on appelle les plaidoyers locales. Comment arriver à ce que les planifications communales et régionales puissent aussi résonner avec les attentes des communautés, tout en les impliquant? On a fait beaucoup parce que là, nous, on est vraiment passé par des évidences. Par exemple, nous, on accompagne 6800 maraîchers qui produisent les tomates et l'oignon, qui produit 4800 tonnes de production par an, et c'est un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA qui sont générés par an. On a voulu porter ça à la connaissance de la commune et de la région pour qu'ils sachent que les maraîchers devaient d'un levier économique majeur pour la région et qu'ils ne doivent pas juste laisser les maraîchers dans les mains des habitants de ses partenaires, mais il faut investir dans les maraîchers pour renforcer les économies effectivement de la région. Ça a été fait et effectivement, le maraîchage est pris comme une filière de premier plan
dans les plans communaux et régionaux et qu'aujourd'hui, ils s'en réjouissent. Alors, comment nous, on concentre les communautés sur le fait qu'effectivement, la semence est en train de les échapper et qu'il faut effectivement arriver à une viabilité. Nous le faisons à travers notre engagement en agroécologie. Parce que pour travailler en fait, à parler de transition agroécologie, il faut aussi montrer aujourd'hui les forces actuelles des pratiques conventionnelles pour dire oui, effectivement, il y a une alternative. Et dans ça, effectivement, il y a tout un travail de reconversion mentale de certains paysans pour qu'ils comprennent effectivement que leurs pratiques actuellement ne sont pas en leur faveur et qu'il faut effectivement changer de façon de faire. Et c'est là également que quelqu'un semencier également intervient pour encore plus de courage, de croire. Parce que je vous avoue que et dans nos sociétés, mais au départ, même quand on parle d'agroécologie, de transition, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils disent qu'ils étaient effectivement là-dessus. Mais sauf que c'est comme entre-temps, on a juste dit la compter que ce qu'ils font n'est pas bien, il faut changer et mettre en place les engrais, mettre en place les NPK, parce que c'est ça la solution. Sinon, ils ne savaient pas. Donc, ils sont effectivement contents de revenir effectivement à là parce que c'est leur. C'est comme si on restitue en fait leur identité et leur manière de fonctionner même dans la société. Et ça, nous, on appuie sur ça comme étant un levier pour convaincre parce qu'ils n'ont même pas besoin de convaincre parce qu'ils voient même les conséquences que les produits chimiques effectivement causent, les conséquences déjà qu'ils ont dans l'accès aux semences certifiées dans les 10 dernières années au Burkina. Merci. Merci beaucoup. On va prendre maintenant une question en ligne et je pourrais garder après ta question. On va juste prendre celle en ligne maintenant. Alors, on demande pour le Québec, comment est-ce que les agriculteurs bio vont pouvoir réussir à éviter la contamination du maïs OGM sur les maïs bio non OGM d'Autriche? C'est une bonne question. Déjà, il faut. Ces agriculteurs, ils mettent en place des mesures préventives, donc ils vont essayer d'isoler leurs champs. Ils font ce qu'ils peuvent en fait, les agriculteurs. Donc ils vont isoler leurs champs, ils vont mettre ils vont planter des arbres entre leurs champs et le champ du voisin. Ils vont avoir une zone tampon, je pense une zone de 8 mètres. Entre leur champ et celle de leur voisin. Donc ça, c'est vraiment des mesures préventives, mais c'est pas l'idéal parce que finalement c'est l'agriculteur bio qui entre guillemets qui doit faire les efforts pour pas se faire contaminer. Donc c'est pas idéal, mais ils font ce qu'ils peuvent. Je me permets de rajouter à cette mini-question, dans le fond, parce que c'est un questionnement que j'avais dans les fermes, exemple sur les toits qui sont fermés, les serres, est-ce que c'est une façon de les protéger? Malheureusement, tu ne peux pas produire 10 hectares de maïs sur un toit. Non, à plus petite échelle. À plus petite échelle, c'est sûr qu'on peut produire. Moi, je peux produire du maïs dans ma cour arrière à Montréal et il ne va pas se faire contaminer. C'est juste que je vais avoir 3 épis que je vais pouvoir manger moi-même, puis c'est correct. C'est juste que là, on parle de dire on veut aller vers une autonomie alimentaire. Pour le moment. Et puis malheureusement, c'est que ça passe par une dimension commerciale. Pour pouvoir y arriver en fait. Donc on va aller avec rapidement votre question. Moi, c'était plus par rapport à l'importance, regarder les sols et tout ça par rapport aux semences, parce que du coup, je pense que y a beaucoup, nos sols sont dégradés un peu de partout, et c'est pour ça que. Enfin, c'est aussi repenser peut-être nos systèmes d'agriculture, comment faire une nouvelle agriculture par rapport aux espaces et tout ça, que ce soit en ville ou plus. À l'extérieur de la ville, tout ça, des questions comme ça. Et aussi, on parle beaucoup de là, peut-être en Autriche, c'est ça, un peu de solution de permaculture plutôt que monoculture, et tout ça. Des solutions comme ça, je ne sais pas si ça parle beaucoup de ça, ou au Burkina Faso, comment c'est. Je peux peut-être y aller pendant que tu... Merci. Ah, merci.
Mais je voulais juste faire du pouce un peu sur ce qu'Isabelle a dit, mais aussi ce que vous mentionnez comme question. Puis je pense que c'est sous-jacent à toute la discussion ici, c'est le système agricole, le système alimentaire dans lequel on est, puis ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que faire du maïs à plus petite échelle, mettons, avoir plus d'agriculture sur les toits qui produirait du maïs, mais qui parviendrait à nourrir, versus une production qui vise à grande échelle, puis qui permet de faire vivre quelques producteurs versus nourrir le monde. C'est des questions qui sont sous-jacentes en ce moment, puis qui vont avec qu'est-ce qu'on conçoit comme système alimentaire, puis comment on le fait. Mais l'autre chose, je pense, qui est important à toujours prendre en considération, c'est l'idée que les agriculteurs, agricultrices, c'est pas une agriculture de subsistance. Comment se sortir de la pauvreté? C'est ça l'idée. De reconnaître le travail, puis que les gens en vivent, puis en vivent bien, mais sans nécessairement, tout en se questionnant sur le modèle commercial, économique, qui est derrière le mode de production agricole au Québec, qui est différent du mode de production agricole au Burkina, en tout cas pas dans toutes les filières, là, pas dans la filière coton, mais la question sous-jacente, c'est ça. Puis le système de production agricole dans lequel nous, on est en ce moment dominant, agro-industriel, a un impact sur les sols, comme vous dites. Donc, la qualité des sols. Si on fait des semences hybrides qui sont vendues avec un paquet technologique qui exige d'avoir des intrants chimiques, ben oui, à la longue, ça dégrade les sols. Abdoulaye l'a dit clairement, mentionné clairement. Donc, cette dégradation des sols-là, à long terme, diminue la productivité agricole, diminue la biodiversité. Donc, dans l'ensemble, si on regarde les gros enjeux dans lesquels on est, dans les pistes de solutions, mais il y a des pistes de solutions qui sont à échelle de la personne qui mange, de la personne qui produit, les banques de semences, les échanges de semences, la recherche sur comment on peut produire des trucs qui nous permettent des semences, mais qui nous permettent de bien vivre, mais se questionner aussi beaucoup sur le mode, le système agricole dans lequel on est, le système agricole qui demande nécessairement pour bien vivre de produire à grande échelle beaucoup pour vendre. Donc, c'est des questions clés que vous avez posées. Merci. Merci. Puis pour ajouter à ça, moi je suis un pluraliste, donc c'est sûr que si on peut avoir des jardins urbains, des jardins sur les toits, c'est une excellente stratégie. Et puis c'est cette pluralité de stratégies qui vont nous permettre d'être plus diversifiés, plus résilients. Et mon commentaire par rapport au sol, c'est que l'agroécologie, c'est un package de pratiques. Puis la reproduction de semences et la sélection de semences, c'est une façon de... Ça contribue à ça, mais il y a les cultures intercalaires, les engrais verts, les haies brise-vent, il y a les rotations de cultures. Tout ça, c'est un package de stratégies qui peuvent être utilisées pour améliorer les sols. Par rapport à la dimension des semences, on s'intéresse à la question des plantes vivaces, donc comme le panique érigé, qui ont un système racinaire absolument extraordinaire, que tu vas semer une fois et qui vont rester dans ton sol pendant 7 ans, et donc là qui va vraiment structurer ton sol. Et on s'intéresse aux cultures de couverture, donc aux engrais verts. Les engrais verts, c'est quand on est agriculteur, là, ça fait du sens. Là, c'est en gros c'est des dizaines et des dizaines d'espèces qu'on met comme culture de couverture, pour protéger ton sol pendant l'hiver, pour ajouter de l'azote, de fertiliser tes sols. Et donc là, la question de c'est quoi les semences d'engrais verts qu'on a besoin? Est-ce qu'on les produit au Québec? Et donc là, c'est tout c'est comme 15 filières en une, parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Et puis moi, je peux pas trop m'avancer là-dessus, parce que c'est assez complexe, quoi. Ça donne envie de continuer, mais malheureusement, on arrive déjà vers la fin. Est-ce que vous pouvez répondre assez rapidement, ou vous voulez peut-être aller au un à un par la suite? Non, c'est pour en tout cas y contribuer. Et renforcer le fait que pour nous, l'adoption de l'agroécologie est une des solutions majeures pour la question semencière
pour les mettre la semence dans la main des producteurs. Parce que nous, quand on parle de l'agroécologie, on ne la voit pas comme seulement une pratique, mais on la voit comme tout un mouvement. C'est-à-dire c'est un mouvement aussi de révolte contre une façon de faire aujourd'hui qui peine effectivement à répondre aux enjeux de l'heure. Et mieux, si dans une localité, vous êtes seulement un agroécologiste, vous avez échoué avant de commencer. Oui, il faut que votre mouvement puisse effectivement prendre corps dans votre territoire et que effectivement vos pères qui sont dans les mêmes secteurs d'activité en tout cas puissent l'adopter et que vous créez votre mouvement. Avant de venir ici au Canada, nous on a invité 48 villages contigus, mais pour parler de leur transition agroécologique, parce que sur les 48 villages, il y avait seulement 8 qui étaient vraiment engagés dans la transition. Eux, il y avait 3200 producteurs. Nous, on s'est dit oui, c'est déjà une avancée notable, mais il faut que nous travaillions à créer cette mouvance paysanne pour que dans la localité, dans la région, on n'en parle que l'agroécologie, on met en place des instruments pour effectivement accompagner ces mouvements-là, à ce qu'ils soient véritablement, j'allais dire, homogènes et qu'on fasse effectivement un même pas. Et je vous assure qu'on a fait un plan de trois ans et nous étions fiers de voir comment ils s'engagent pour effectivement adhérer et en faire. Et si c'est ainsi, vous allez voir que les questions de contamination, les questions de difficultés en tout cas, vont avoir des solutions. Sinon, seul, on ne va pas assez loin. Merci. Merci. On aimerait ça vous donner toujours plus de temps, mais il faut respecter quand même. Donc, avant mon mot de la fin, j'aimerais vous laisser savoir qu'on a 3 livres ici, qui est un recueil de portraits et de réflexions environnementales de Succo. Et en fait, pour vous remercier d'être venu en présentiel, on a fait un tirage de 3 personnes. Alors, je vous les lis. Excusez-moi pour la prononciation. Yu Liu, Benoît Saint-Jean et Mathis Boutin-Roy. Vous êtes là? Levez la main. Good. Donc, juste après, avant la dégustation, vous allez pouvoir venir le chercher. Alors, on vous remercie vraiment, chers experts, expertes, pour vos messages, vraiment vos partages de connaissances, c'est vraiment ça. Et merci à la Maison du développement durable pour votre accueil chaleureux, merci beaucoup, et dans cet espace magnifique. Et merci aux techniciennes et aux techniciens. Vraiment, merci. Vous rendez ce panel hybride possible. Alors, merci pour votre travail. Et on le répète, ce panel est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par Affaires mondiales Canada et Hydro-Québec. Et enfin, je vous rappelle que si vous avez aimé ce panel, c'est une série de plusieurs panels durant l'année. Donc, suivez Succo pour connaître les prochaines dates de ces panels, toujours les plus intéressants les uns que les autres. Alors, on vous remercie vraiment d'avoir été là et on a un temps de partage ici de boucher pour qu'on puisse échanger entre nous. Alors, partez pas trop vite. Merci beaucoup.